Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre et merci pour votre présence ce soir. Peut-être une soirée particulière parce que Carolina a dit que si elle était disponible, elle serait présente parmi nous pour nous donner des précisions et puis des nouvelles. On pourra peut-être poser des questions. Et ce soir, Aviram n'a pas pu être là parmi nous. Il avait des empêchements et donc il a enregistré pour nous la synthèse de l'enseignement de M. Keshe et Carolina, les nouvelles plasmatiques et le KSW 305. Donc je vais partager. Je te laisse, Joël, partager l'écran. Je vais voir s'il y a Carolina. Donc, bon, on va lancer l'enregistrement. Et puis, si Carolina est là, comme elle a peu de temps aussi à nous consacrer, elle a toujours beaucoup de choses à faire, on arrêtera peut-être et comme ça, on pourra l'écouter. Donc Joël, si tu peux. Oui, tu as Catherine, Ram et Ursula qui sont en attente. Je lance la vidéo. Oui. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 20, le 20 novembre. On est en décembre et cette émission-là pour titre comment les émotions façonnent notre réalité. Et si tu peux monter le son, on n'entend plus rien. Joël, on n'a pas le son. On a l'image, Joël, mais pas le son. Moi, j'ai le son là, il n'y a aucun problème. Qui peut me Non, dire non, on ne l'a pas, non. Ah, moi, je ne l'ai pas, non. Voilà, je sais pas ce qui Au se passe. Non, début, nous, on ne l'a pas. on l'avait au début, mais très lointain, Ouais. et là, on l'a plus du tout. Là, j'arrive pas à... Je sais pas ce qui se passe. Parce que moi, j'ai la vidéo, le son est à fond en plus. Au niveau du partage, tu as bien précisé, coché la case pour le son au départ, oui. Ah oui. Regarde. Essaye de redépartager et de repartager après, peut-être. Bon, je réessaye. Qui s'appelle une unité Ça universelle va là ou pas? Ça y est. d'amélioration environnementale. Ensuite, comme d'habitude, une autre prise de nouvelles qui va compléter notre image ou notre compréhension de la unité d'amélioration universelle qu'on connaît de plus en plus. L'annonce d'un nouveau groupe d'études de la Fondation Keshe Spaceship Institute et M. Keshe a annoncé la publication du quatrième livre. C'est ça le contenu de l'apéritif. Ensuite, on va passer sur les deux parties du plat principal. Dans la première, c'est comment détecter les champs de plasma
tu as une réponse ou plusieurs réponses de M. Kesh à une question d'un knowledge seeker, je crois, originalement dans le Plasma Reactor Group de RIC au Canada. Deuxième partie va être basée sur les découvertes de Greg Braden et Max Planck concernant comment les émotions, nos émotions, façonnent notre réalité. On a parlé les dernières émissions un peu plus en détail, comment nous sommes effectivement en charge de notre réalité. Et maintenant, on va regarder au lien de transmission entre notre intérieur et le monde extérieur pour être capable de mieux utiliser ces connaissances pour créer le monde autour de nous plus de la façon comment on le veut. Le dessert, il y a un petit dessert, mais très très chouette cette fois-ci. C'est un groupe de chercheurs français qui m'ont approché et m'ont envoyé un résumé d'une première projet qu'ils ont fait depuis, je crois, 4 ans, quelque chose, sur l'objectivation des champs de plasma, surtout là, il n'y a plus de son. Moi, j'ai plus de son. Voilà, regardez comment et pourquoi, ou cette fois-ci, pardon, cette fois-ci, dans le premier partie du plat principal, on va regarder comment on peut détecter les champs de plasma d'une façon non subjective. Donc, on commence avec l'apéritif pour nous mettre l'eau à la bouche. Les souhaits du Conseil universel. Le premier était fait par Estella, c'est le membre du Conseil universel italien. Elle a fait ce vœu suivant. Nous donnons de notre âme et nous sommes présents dans le souhait. C'est encore la nouvelle façon d'exprimer ça, qui dit que nous, pour démarrer un vœu ou sa réalisation, on commence avec donner. Parce qu'un vœu, conventionnellement, c'est comme une prière, on veut quelque chose. Donc nous, on le fait à l'envers, on donne pour être capable de recevoir. On donne de notre âme. Et ensuite, nous sommes présents dans le souhait, c'est-à-dire le souhait nous entoure. Toutes les femmes et tous les enfants sont en sécurité et libres, honorés et protégés. Ça, c'est un souhait qu'on se fait depuis les 8000 ans. On subit le patriarcat que nous avons créé de toutes pièces et nous supportons encore inconsciemment, de toute évidence, dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Mais c'est très bon que Estella nous a présenté ce vœu et je suis présent à l'intérieur du vœu. J'ai vraiment la très très bonne volonté de laisser se terminer cette ère de patriarcat ou chauvinisme pour un ère qui honore l'énergie féminine et qui va ouvrir beaucoup plus de possibilités douces que nous avons très, très, beaucoup besoin, surtout que par rapport à l'enseignement sur l'âme, on ne peut pas vraiment, tout d'abord, on ne peut pas conquérir notre âme, parce que ça voudrait dire que nous sommes plus forts que notre âme, et là, ça ne va pas. Donc, si on ne peut pas conquérir l'âme, on ne peut pas non plus forcer d'être, nous forcer nous-mêmes d'être proches de notre âme. C'est plutôt un mouvement de lâcher prise dont Ursula peut parler un bon mot ces jours-ci et autres. Et c'est lâcher prise et c'est aussi d'avoir une ouverture ou de se préparer
dans une ouverture pour accueillir l'âme qui est toujours rayonnante comme le soleil. Ça veut dire prendre principalement, on lâche ses résistances. Et ça ne peut pas se faire, c'est pas vraiment un acte de volonté, c'est plutôt une compréhension qui nous amène à ça. Et lâcher quelque chose, c'est toujours sans aucun effort, parce que c'est la prise qui demande l'effort et non la lâcher. Le deuxième vœu est fait par Ginette. Il dit, nous donnons de notre âme et son présent dans le souhait, nous partageons la connaissance et la compréhension en vivant le moment présent, en servant l'unité, l'humanité et en ancrant la paix et l'égalité pour tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit? C'est très clair et c'est très simple à comprendre. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça davantage. D'ailleurs, maintenant, parce que c'est un enregistrement, donc quand vous allez écouter ça, moi, je serai probablement à l'aéroport de Panama et je ne sais pas si je vais avoir un Wi-Fi pour écouter ça. Et à ce moment-là, si je peux, je peux être présent pour répondre aux questions et aux commentaires. Sinon, mes très, très bons amis, comme Joël, comme Luc, comme toutes les autres, vont être là pour répondre à ma place, parce que moi, je ne sais pas plus que tout le monde. Donc, le mouvement vers plus de transparence, Monsieur Keshe, il nous a informé que les gouvernements semblent devenir plus conscients des forces qui veulent supprimer la diffusion des découvertes de la Fondation Keshe et autres nouvelles technologies qui peuvent potentiellement interrompre ou diminuer les profits des multinationales. Donc, ils ont plus aux aguets pour découvrir ça et pour aussi aider à empêcher ça. Ça se répand de toute évidence aussi pour la question de traficage de personnes, surtout enfants dans le, et femmes dans le business du sexe. Et ça vit aussi beaucoup cette augmentation de transparence par les quelques knowledge seekers ou autres qui plus ouvertement dénoncent ces tentatives-là. Mais je crois le plus puissant, pourquoi ça, notre monde va ou se tourne vers plus de transparence, c'est les vœux du Conseil universel dans lesquels nous sommes présents, c'est-à-dire auxquels nous donnons l'énergie de notre âme et de notre vie. Et ça fait que plus en plus de gens qui étaient peut-être même pas vraiment conscients avant dans les institutions gouvernementales deviennent conscients et comprennent que c'est une bonne chose de s'engager plus dans une voie d'éthique pour laisser les avances dans les connaissances se répandre librement. La nouvelle unité, l'unité universelle d'amélioration environnementale est pour le moment une boîte noire. On ne l'a même pas encore vue. Je crois qu'elle va être présentée au Mexique en février. Elle, c'est une unité qui a beaucoup de capacités
améliorer l'environnement. Par exemple, elle peut rapidement séquestrer le CO2, comme en nous faisant le gaz de CO2. Mais aussi le plastique, quand vous peut-être vous vous rappelez dans des knowledge seekers, peut-être il y a quelques mois, au printemps, été, M. Kesh a beaucoup parlé d'une façon avec les GANs ou les champs plastiques, en tout cas, de faire des champs dynamiques qui, en fait, c'est essentiellement des champs de carbone qui vont enlever, qu'on peut mettre comme, admettons, deux réacteurs avec un GANs de plastique qu'on peut faire avec la soude caustique et du plastique. Et on met un cryo-champ dynamique, c'est-à-dire un réacteur avec une concentration 100% avec des particules de gaz, et l'autre réacteur dilué à peut-être un 221e. Et entre les deux, on place ces deux autour, ou plusieurs, autour d'une île de bouteilles de plastique qui flotte sur nos océans, ça va enlever la composante carbone de la chaîne des hydrocarbures qui compose essentiellement les plastiques. Et là, ça commence à devenir peut-être une casse-tête où il faut être vraiment cautieux parce que il nous a averti. Quand on fait ça, on crée des larges quantités de carbone et de hydrogène et autres éléments qui peuvent facilement se réassembler dans des acides aminés, par exemple. Et ça peut provoquer des ondes de création, des avalanches de vie dans les océans, qui peut très facilement, vous pouvez imaginer comme moi, interrompre ou mettre en péril les food chains naturelles, les chaînes d'alimentation naturelles. Et ça, on ne veut pas. Donc, il faut utiliser ces réacteurs-là avec beaucoup de caution. Il faut prévoir exactement qu'est-ce qu'on fait avec ça, ou quel effet on va créer pour ne pas, en dépolluant, créer comme une autre charge, entre guillemets, une autre pollution à la place. Donc, ça me rappelle les Amérindiens qui, dans leur écologie ou conscience écologique, disent toutes les décisions que nous prenons par rapport à l'environnement, on pense aux effets qu'ils vont avoir sept générations depuis maintenant. Ça, c'est vraiment une vue très, très large, une perspective très large qui reflète beaucoup de responsabilisation que les Amérindiens ont et que nous pouvons apprendre de eux. Si on fait la séquestration du CO2, ça donne la même chose, ça va comme libérer beaucoup d'oxygène, carbone d'abord, qui peut, comme dans le plastique, être séquestré dans d'autres formes de vie. Mais ça peut aussi, avec l'oxygène, ça peut augmenter ou changer le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère. Et ça, si c'est pas, si c'est plus que quelques promilles, si je me rappelle bien, ça peut devenir très difficile pour nous et pour autres formes de vie de nous adapter à cette nouvelle situation parce que nous sommes, notre organisme, il est orienté et fait pour le taux d'oxygène qu'on a maintenant, qui est beaucoup plus inférieur au taux de nitrogène, par exemple.
Et on sait très bien du phénomène, ce qu'on appelle l'hyperventilation. Si vous amenez tout à coup beaucoup d'oxygène dans votre corps, vos mains vont faire des crampes et vos pieds aussi. Donc, le corps fait des réactions qui peuvent être très douloureuses à un changement d'oxygène. De l'autre côté, dans la séquestration plastique et CO2, ça peut aussi que l'oxygène, sur le niveau du plasma, se lie à l'hydrogène et ça crée beaucoup d'eau. Et cette eau-là, elle peut fermenter les niveaux des océans qui est très, très mauvais. Et je me rappelle, j'ai vu un documentaire sur les îles Kiribati. C'est les îles comme au-delà de Bali, plus loin, vers la Nouvelle-Zélande et Australie. Ils n'ont pas de montagne vraiment. C'est juste des banquises de sable qui sortent de la mer depuis très longtemps. Mais si, parce qu'il n'y a pas d'élévation sur la terre, je crois qu'ils ont un chiffre d'habitants de 150 000. Si l'eau monte juste un pied, c'est 30 cm, il n'y a plus d'île pour eux. Et ils ont déjà tellement en péril qu'eux, ils ont demandé à Australie et Nouvelle-Zélande des contrats d'émigration pour des parties de la population pour se sauver et ne pas mourir sur les îles-là. Voilà, donc si ce n'est pas comme on a un bouton magique, une nouvelle machine qui va nous enlever tout le plastique et le CO2, et whoopi, nous sommes super happy après. Non, 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 il faut vraiment faire ça très, très consciencieusement et imaginer et observer, commencer par petit et observer les résultats dans tous les sens pour être capable de gérer cette dépollution d'une façon responsable qui ne crée pas d'autres nuisances. Et voilà ce qu'on peut ajouter encore. Notre favori, un souhait. Je donne mon âme et je suis présent dans le souhait. L'âme de la terre-mère s'élève pour qu'elle puisse trouver son propre chemin vers la paix. À l'intérieur de ce souhait-là, on a comme appelé l'intelligence de la mère-terre de nous assister à dépolluer pour son bien. Donc, je crois que dans cette constellation, ça va être non seulement plus sûr de le faire, mais aussi beaucoup plus plaisant. On a le meilleur alliance pour notre entreprise. Maintenant, la nouvelle, M. Kesh a annoncé pour tout le monde un nouveau groupe de réflexion. Ça va être ouvert à vraiment tout le monde, de toutes les nations. Et cette session sera tous les vendredis de 9 à 5. Et ça, si ça tourne autour du globe, ça veut dire 24 heures. Et c'est une plateforme où tout le monde, chacun ou chacune peut parler d'un problème qu'il voit ou elle, et le proposer comme sur la table, et toutes les knowledge seekers autour du monde peuvent se connecter et proposer des solutions qui peuvent provenir de la science du plasma, de toute évidence, mais aussi d'autres technologies qu'on peut connaître. Donc, ça devient comme un Rick's Plasma Reactor Group explosé sur un niveau mondial. Et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Et le but de ça, c'est aussi, si ça fonctionne bien, ça va faire que nous allons déjà agir en s'occupant des problèmes locaux d'une façon globale. Et
Ça, c'est une très bonne idée aussi, je crois. Colline Serrault, qui a fait La Belle Verte, elle a fait un autre documentaire qui s'appelle, je ne me rappelle pas le titre, mais le sous-titre, Solution locale pour un désastre global. Donc maintenant, on va trouver des solutions globalement et l'application locale pour des désastres. Et ça va, de toute évidence, résoudre les désastres globaux. Monsieur Kesh a annoncé deux choses qui sont liées à lui-même. Une, il va publier l'année prochaine le quatrième livre, La création des rayons magnétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la création de la création tout court. Parce qu'on sait, on a appris que dans le monde du plasma, toute création se fait par un rayon magnétique en provenance du centre de l'univers ou de l'âme du créateur, qui, en interaction avec quelconque inertie d'environnement qu'il trouve ce rayon-là, va créer peut-être en participation aussi si nous sommes présents la participation de notre âme avec les propos ou nos souhaits, là la création se fera. Donc la question se pose, mais d'où viennent ces rayons et comment ces rayons sont créés? Et là on va attendre avec impatience le livre numéro 4 qui va nous être présenté l'année prochaine. Deuxième nouvelle de M. Kesh, il a annoncé que, je crois que c'était en mois de mars, il aimerait se retirer officiellement de la Fondation Kesh. Ça ne veut pas dire qu'il va aller dans une retraite juste en silence pendant 3 ans, je crois. Ça va plutôt être... Comme il dit, il veut s'occuper plus d'écrire des livres et de se consacrer à la recherche. Il veut juste se retirer de la gérance de la Fondation Kesh et des autres parce qu'il dit deux choses. Il dit que la Fondation Kesh est en très bonne main de Ella, qui est la directrice générale de la Fondation Kesh. Et aussi, il a déjà dit à plusieurs reprises avant que la répartition des connaissances, ou de la compréhension plutôt, de tous les aspects de la science du plasma va tellement bien que maintenant, cette la divulgation n'a plus besoin de lui personnellement, c'est-à-dire nous et toutes les autres peuvent prendre la relève et continuer rendre la Terre un paradis. Voilà. Pour l'unité universelle amélioration universelle, il a répété que non, comme en très peu de temps ou avec le temps, elle va changer de se faire appeler comme ça parce qu'on va comprendre elle n'est pas juste fait pour réparer notre plan physique, c'est-à-dire nous enlever les bobos, mais elle est là pour renforcer, pour élever l'âme. Donc, c'est une unité d'élévation d'âme universelle. Donc, on va changer le UAU dans un UEU. Et ça va avoir la même abréviation pour un bon moment, en anglais comme en français. Et il dit parce que ça va s'appeler unité d'élévation d'âme universelle, parce que c'est ça ce qu'elle fait
Donc, sur le niveau d'âme, il n'y a pas de limitation. Et il dit, l'unité, elle peut faire ce que vous souhaitez ce qu'elle fasse, tout dépendamment comment vous la limitez. Donc, en soi, elle n'a aucune limite. Il n'y a pas de bouton, comme vous voyez sur la petite photo, il n'y a pas de bouton dans dans l'unité universelle où on peut régler la résistance. Non, on n'a pas besoin même, parce que nous avons chacun de nous un très grand bouton de résistance à l'intérieur de notre mental, et c'est ce bouton-là qui est à l'intérieur de nous-mêmes qui va limiter la puissance de cette unité universelle. Donc, sur cette image-là, vous voyez notre trinité, notre âme, notre mental qui est comparé à un cerveau coloré, et ça c'est le mental, et l'âme qui est représentée par cette flamme bleue. C'est pas dans les vraies dimensions, parce que sur le plan matériel, l'âme est juste dans un point qui est grand comme la tête d'une aiguille. Le cerveau ou le mind est à l'intérieur, peut-être la plupart de nous pensent, à l'intérieur de notre âme de la forme physique, c'est-à-dire le cœur, enfin le cerveau. Mais quand même, dans un autre schématique, on peut penser que l'âme est le centre autour duquel il y a la sphère du mental ou de l'âme de la physicalité, de la forme physique, autour de laquelle se situe le corps physique. Donc, tout dépendamment avec quelle partie de notre trinité nous sommes identifiés, l'unité d'amélioration va faire son travail ou fonctionner sur ce même niveau-là. C'est-à-dire, si nous sommes sur le niveau du corps physique, le corps physique, la machine va faire comme peut-être nous produire beaucoup de sensations de bouffe et de nous guérir des maladies et tout ça, mais c'est juste parce que notre attention est focusée sur ça. Si c'est sur le mental, c'est plus les émotions qui sont de la peur jusqu'à la bénédiction ou la heureuseté. Et sur le niveau de l'âme, comme il a dit, si vous rentrez dans l'unité universelle et vous, avec le but ou l'objectif de rencontrer votre âme et de ne plus lâcher sa main, à ce moment-là, vous allez tout de suite voir comment votre corps est comme un manteau qu'on peut suspendre pour voyager dans l'espace ou voyager sur Terre, voyager dans le futur ou dans le passé. Et beaucoup d'entre nous seront très joyeux de cette possibilité et vont la prendre tout de suite. Et voilà, l'unité se ouvre et il n'y a plus de personne, c'est-à-dire plus de corps. Jusque cet individu-là va décider par joie de revenir ici parmi nous et trouver peut-être son corps comme avant avec des modifications légères ou graves selon si le corps était malade ou, je ne sais pas, déformé, accident, quelque chose qui peuvent se faire enlever au même moment. En
Ensuite, mes amis, on a terminé avec l'ordre et on commence à se réjouir du plat principal. La première partie, comment détecter les champs de plasma? C'est une question qui revient souvent. Ce qu'on a trouvé sur beaucoup de knowledge seekers, ce qu'ils ont fait, c'est comme deux façons de prouver à nous-mêmes l'efficacité des champs ou l'existence des champs plasmiques qui, eux, sont pas visibles. Un, c'est mettre des dispositifs de plasma ou le GANS dans un congélateur avec de l'eau et voir, comme ça, on peut voir que la classe qui se forme dans le congélateur reflète, si on veut, les forces du plasma. On peut même voir dans certaines représentations les lignes de force d'une ping-pong, une antenne de santé par exemple, ou du GANS ou un MAGRAF même, ou un réacteur. Je crois comme ça, je ne me rappelle pas, c'était lui vraiment, qui dernièrement a fait des pads avec plastique comme époxy. Il a ajouté le GANS en solution aqueuse et ça faisait un époxy qui reste flexible. Donc, ça fait des très bons patchs pour appliquer au corps parce que ça peut mieux se mouler autour de l'endroit de notre peau. Alors, ça, c'est une, et il l'a mis aussi dans le congélateur pour voir les forces de plasma. L'autre, c'est les antennes que vous connaissez peut-être, notre ami Ram Atmanzur. J'espère que je dis son nom correctement. Lui, il travaille beaucoup avec un pendule ou dos, comme d'autres, avec d'autres instruments de la géobiologie, par exemple l'antenne de la chair. Et il peut de cette façon détecter les champs plasmiques. Mais ça reste quand même, c'est pas un appareil. Et M. Kej, celui qui pose la question, il voulait savoir, est-ce qu'il n'y a pas un appareil? Et la première réponse de M. Kej, le plasma, mon ami, n'a pas de fréquence, parce qu'il ne fait pas partie de l'état de matière, même pas d'une manière subtile. Par exemple, une manière subtile, je pense, ça peut être homéopathie. En homéopathie, on fait des potences de substances, c'est-à-dire on dilue jusqu'à il n'y a plus vraiment la matière de cette substance détectable dans le liquide, mais quand même néanmoins sa force est là. De cette manière la homéopathie fonctionne. L'autre réponse, si on serait capable de mesurer les champs plasmiques, on serait capable aussi de mesurer l'âme. Et ça nous fait un sentiment bizarre, n'est-ce pas? Mesurer notre âme, c'est comme mesurer notre cœur dans le sens de mesurer l'amour. Ça nous me crée comme un mauvais goût dans la bouche, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est comme deux sphères qu'on mélange ou deux phases qui ne se mélangent pas vraiment, parce que l'amour est infini. Comment tu veux mesurer ça? Et le plasma aussi. Donc, mon âme aussi, je veux dire. Et même si ça fait... Si je veux mesurer quelque chose, ma fenêtre de mesure, c'est-à-dire mon échelle, doit être plus grande que je mesure.
que je mesure doit être à l'intérieur de ça, donc ça rend là, une chose infinie un peu trop petite. Alors, on se pose la question, alors pourquoi voulons-nous un instrument pour mesurer les champs de plasma tout le temps? Parce que nous sommes peut-être encore trop ancrés dans la matière. Et peut-être nous pensons que nous n'avons aucun autre moyen pour mesurer. Parce que quand quelqu'un mesure, j'imagine Ram, il a eu ses commentaires des sceptiques français, que j'imagine c'est sûr qu'il a entendu ça, qu'ils disent « Ouais, mais les antennes, c'est quelqu'un qui les utilise et qui me dit que c'est vraiment la chose qu'il mesure qui fait bouger son pendule ou c'est pas ses mains qui le font. » Ou sa volonté, peut-être même inconscient, qui fait bouger ça. Donc, ça amène les instruments géobiologiques dans un espace de subjectivité. Et là, on a la possibilité ou de laisser tomber tout ça, ou de penser, est-ce que la subjectivité est quelque chose de mauvais et est-ce que la subjectivité est inférieure à l'objectivité. Dans notre sens courant, dans les médias aujourd'hui qui mentent, oui, l'objectivité est plus célébrée que la subjectivité. Mais ça veut dire que tout ce que je ressens, si je peux ressentir le plasma, ça va toujours être comme un peu en défaut, un peu pas vraiment la bonne chose, un peu pas assez. Mais peut-être ce un peu pas assez ne vient pas de la chose elle-même, mais ça vient de nos valeurs qu'on y accorde. Et ça me rappelle les cellulaires. Les cellulaires que vous voyez à droite et mademoiselle ou madame Colline Serrault dans la belle Béate, on voit à gauche. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est sa façon de télécommuniquer. Elle peut être sur Terre et elle communique comme ça à travers l'univers pour rejoindre ses enfants à la belle verte, sur la belle verte. Et si je regarde par rapport à ça, elle fait juste les pouces dans les oreilles et elle fait des autres doigts comme des antennes et elle ne parle même pas. Elle juste communique par son âme. Et Colline Serrault a mis ce geste parce que ça donne dans un film, ça prend de le comparer à quelque chose, autrement tu vois rien. Donc, et elle ne parle pas, donc ça prend comme elle, comprenez. Hein? Mais par rapport aux cellulaires. Les cellulaires, c'est aussi des moyens de télécommunication qui coûtent quelque chose. Et ni le cellulaire, ni le contrat est gratuit. Deuxièmement, les cellulaires utilisent pour moyen de communication les micro-ondes qui sont nocifs pour toutes les formes de vie, pas nous, ça crée nos cerveaux, mais aussi pour les abeilles et les oiseaux migrateurs, parce que les antennes de cellulaires perturbent leur sens d'orientation. Et c'est prouvé que les cellulaires ou les tours de cellulaires, ils font que les abeilles abandonnent leur ruche. Et dans la production des cellulaires, les microchips utilisent beaucoup de, non pas beaucoup, petit, un peu, mais quand même essentiellement des terres rares
les terres rares, le raffinage des terres rares est hyper polluant et les effets nocifs sont vraiment catastrophiques. Donc, le cellulaire me semble... Et tu ne peux pas téléphoner à quelqu'un d'autre si un des deux n'est pas dans un réseau. Alors, ça fait que ça a l'air pas vraiment une bonne voie de prendre. Tandis que la façon de Madame Serrault, c'est beaucoup plus fun, c'est gratuit et c'est bon pour la santé. Alors, ça veut dire pourquoi je dis ça, parce que ça me rappelle ça. Si on revient au thème de mesurer les effets de plasma, ça veut dire que M. Keshe l'a dit aussi, et de toute évidence, c'est votre âme qui peut sentir tous les plasmas et dans toutes ces différences de formes de force. Et ça nous ramène à au même point de départ pour accéder à cette capacité de sentir le plasma, ça prend que nous serons, que nous nous rapprochons de notre âme, parce que c'est ça, cette instance-là qui, avec laquelle on peut la sentir, et au, pas seulement sentir, mais aussi émettre, c'est-à-dire communiquer. Alors, il y a plusieurs exercices, par exemple, qu'on peut faire pour aiguiser notre façon ou notre capacité de sentir le plasma. Alors, si je n'étais pas assez clair avant, M. Keshe a dit très, très clairement, il ne va jamais avoir une machine parce que les machines sont toujours matérielles qui va détecter ou mesurer le plasma. Ça va toujours être nous, avec notre âme. Donc, on est mieux de mettre notre énergie à ça que de « mais non, non, je vais quand même découvrir une machine qui va se mettre. » Donc, pour aiguiser notre sensibilité plasmique, on peut dire, il y a la façon... qu'il a déjà dit dans les Knowledge Seeker Workshop avant, on peut prendre des différents, on se fait des contenants avec différentes GANs dans du plasma liquide et on les étiquette pas. On dit à une autre, nous on ferme les yeux, on dit à une autre personne de les mettre sur la table devant nous dans une séquence que nous ignorant. Et après, on laisse les yeux fermés et la personne nous donne un contenant dans les mains, dans la main. On ferme la main et on essaye de sentir c'est quoi? CO2, CH3, CuO ou ZNO. Ou encore, si on peut faire ça, aussi le même contenant, ça doit évidemment être le même contenant, avec de l'eau, juste de l'eau, qu'on ne laisse pas proche des GANs parce que ça va se charger et après on va se mêler nécessairement. Une autre façon, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, surtout un rendez-vous galant, avant d'y aller, on essaye de sentir est-ce que l'autre personne va être là ou pas. On peut aussi, quand le téléphone sonne, ne pas répondre tout de suite, ce qui serait notre réflexe, mais de prendre quelques secondes pour sentir c'est qui. Juste, ça peut être, si juste je veux sentir c'est qui, l'image ou le nom apparaît devant mon écran intérieur et après je prends le téléphone et je vais savoir. Ou quand je reçois un cadeau qui est emballé, j'essaie de deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. Ou encore, vous rencontrez quelqu'un comme ça, sans rendez-vous, dans un party ou dans une rencontre avec plein de gens, et au lieu de demander comment tu vas, vous
vous prenez un temps pour sentir comment elle va. Et après, vous pouvez soit demander, soit embrasser la personne. Et quand vous enlacez la personne avec vos bras, vous allez sentir de toute façon comment elle va. Je voulais dire une autre chose, parce que le sentir, quand on prend quelque chose, quelqu'un dans les bras, quelque chose peut-être aussi, pour plus qu'un moment très court, très bref, vous allez expérimenter qu'il y a une interaction. Donc, juste que vous êtes comme, on n'est jamais neutre, vous êtes content, vous embrassez l'autre personne et votre contentement va irradier dans l'autre personne. Alors même si elle est peut-être un peu insécure, peureuse, ou quelque chose comme ça, elle va déjà être modifiée, son état. Donc, ça, c'est la vérification sur le plan matériel, comme ça va être difficile parce que c'est pas une vérification, c'est une interaction toujours. Donc, on peut pas, même sur le plan de l'âme, ça peut être toujours une interaction. Et là, on se pose la question, est-ce que je veux vraiment savoir? Est-ce que j'ai besoin de savoir exactement comment l'autre se sent, ou est-ce que je veux, si je suis très content ou heureux, je veux plutôt partager ma joie et voilà, on a deux heureux. Voilà, on a tout dit ça. Et on a aussi terminé le premier plat du plat principal. Et maintenant, nous allons explorer ensemble comment les émotions façonnent-elles notre réalité. Vous rappelez peut-être la dernière semaine, mercredi passé, on avait comme un carré rouge qui disait oui, mais comment est-ce possible qu'un changement à l'intérieur de nous ou un mouvement à l'intérieur de nous, soit dans notre cerveau, soit dans notre émotion ou dans notre mental, comment ça peut influencer le monde au-delà de nos limites corporelles? Et ça, cette question, on va explorer maintenant. Alors, les deux personnes qui vont nous aider à faire ça, c'est un qu'on connaît déjà de la semaine passée, c'est Greg Braden, à droite, et à gauche, c'est un monsieur qui nous aide par son âme maintenant, parce qu'il est déjà décédé, il s'appelle Max Platt. Je voulais trouver une photo de lui où il sourit aussi joliment que Greg, mais semble-t-il, Monsieur Planck a jamais souri. Alors, j'ai pas trouvé, j'ai cherché un bon bout et il n'y a pas de photo de Max Planck souriant. Donc, mais on va quand même écouter parce qu'il a trouvé des choses très, on appelle un des pères, comme P-L, accent grave, père de la physique quantique. Il a dit, wow, ça arrête. Le monde que nous voyons n'existe pas comme nous le croyons. Ce que nous voyons comme matière est ici grâce à l'existence de ce que nous appelons l'esprit conscient et intelligent, le mental. Et dans ce sens, en fait, j'aime plus le mot esprit que mental.
Alors, il dit, le monde que nous voyons, notre perception du monde dans lequel nous vivons, le monde 3D, n'existe pas de la façon que nous croyons. C'est-à-dire, des choses solides qui sont en mouvement ou pas, et qui changent très, très, presque pas. La table devant laquelle je suis assise, elle est là de la même façon depuis maintenant plus que 10 ans. Ah. Et il dit, mais il dit, c'est pas comme ça, ça existe. Mais il fait un lien entre la matière et notre esprit conscient et intelligent. Ça veut dire peut-être aussi notre inconscient. Et ça fait référence à ce qu'on a déjà dit dans plusieurs programmes avant, que c'est notre pensée qui crée la réalité. Mais nous voulons comprendre comment elle le fait. Elle le fait par la matrice divine. Et cette matrice divine, c'est un mot que Greg Braden a donné à ce que Max Planck énonce comme l'esprit conscient et intelligent. Alors, la matrice divine, c'est un champ d'énergie, plasma, qui est intelligent et non conventionnel. Non conventionnel, ça veut dire ça ne fonctionne pas comme l'électricité qui court dans nos fils ou comme l'énergie des ondes radio et télé qu'on émet dans l'atmosphère pour écouter la radio et la télévision. Les champs de cette énergie qui compose la matrice divine sont non conventionnels, c'est-à-dire ils ne fonctionnent pas comme ça parce qu'ils ont aussi intelligence. Et ça, on sait, vous vous rappelez peut-être, dans le temps où M. Kirsch parlait de Fukushima, l'université de Tokyo a fait des expériences avec d'injecter du gaz CO2 dans les souris. Dans une infinie petite quantité. Il y avait des groupes d'essais, il y avait un groupe de souris qui buvait l'eau contaminée radioactivement. Il y avait un autre groupe de souris qui était injecté avec un virus de grippe. Il y avait un troisième groupe de souris qui mangeait, qui buvait de l'eau ordinaire et qui mangeait comme rien, et c'était comme le groupe de contrôle. Toutes les trois, il y avait aussi un quatrième groupe qui n'était pas, qui avait subi le virus et la radioactivité, mais qui n'a pas subi le traitement avec le CO2. Ce groupe-là est mort après 5 jours, parce que après, ils ont fait une vivisection, ça c'est un peu malheureux, mais ils l'ont fait pour prouver leur truc. Alors, les autres souris, les souris qui buvaient l'eau contaminée radioactivement ou qui étaient injectées avec la crêpe, tous les deux ont survécu. Ils montraient pas de symptômes comme le groupe de contrôle, montraient pas de symptômes. Après vivisection, ils n'ont pas trouvé ni de traces de radioactivité, ni de virus de grippe, ni de CO2. Les traces de gaz de CO2 dans les corps vivisectionnés des souris. Mais ils ont trouvé le CO2 avec la radioactivité et les virus dans les fesses, dans les caca et le pipi des souris. Ça veut dire le CO2 se lie à ce qu'il faut éliminer du corps
et laisse ça éliminer par les voies naturelles. Après, les chercheurs, je crois que c'était un peu plus tard, ils ont les médecins, un médecin, il a injecté le gaz CO2 à l'entour d'une tumeur localisée. Ça faisait, ça attaquait les cellules cancéreuses, mais ça attaquait pas les cellules non cancéreuses. Donc, ça finissait par le collapse de la tumeur et la guérison du cancer, et ça attaquait pas les cellules autour. Et c'est ça intelligent, selon ce que je comprends. Et pour moi, je trouve ça vraiment intelligent. Tandis que les ondes des cellulaires, par exemple, ils vont nous faire du bien parce qu'ils transmettent les messages, mais ils nous font mal en même temps parce qu'ils grillent notre cerveau. Et ça, c'est pas intelligent parce que c'est mécanique. Donc, faut, et cette divine matrix, matrice divine, co-créée par Max Planck et Greg Braden, elle n'est pas là en soi. Elle est créée par notre esprit conscient et intelligent. Et là, on n'oublie pas que le phénomène de la mort physique n'arrête pas notre mental, même pas, et n'arrête surtout pas notre âme. Donc, ce esprit conscient et intelligent, elle est là depuis l'humanité est là. Et c'est le même moment que Dieu est là. Parce que Dieu, comme on sait maintenant, c'est pas une entité à part de nous, c'est l'âme universelle ou l'âme des créateurs qui est la méta-âme de toutes nos âmes, si on veut. Mais toute cette chose-là, on a compris autour de ça, même la physique quantique aujourd'hui n'est pas reconnue tout à fait. Et une femme, Lynn Taggart, une journaliste scientifique anglaise, elle a écrit un livre, elle a fait une recherche sur les physiciens de la physique quantique pour trouver est-ce que c'est quoi l'effet de leur découverte dans leur propre vie. Et elle était très choquée au début de trouver il y a très peu de conséquences. C'est-à-dire, c'est comme un scientifique, il peut dire, dans la science, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conscience et tout ça, et quand même, je vais le dimanche à l'église. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Hein? Comme ça, les scientifiques, les physiciens de la physique quantique, ils peuvent découvrir des choses qui n'ont aucune incidence dans leur vie. Ils vont toujours dire, oh, le soleil se lève. Ils disent même pas, non, je me tourne vers le soleil. Et ils peuvent pas, ils font encore des expériences qui nient le fait que le regard de l'observateur change le résultat. Ils restent quand même, ils n'ont pas envoyé promener ces règles de la science-là. Donc, il y a, c'est très enraciné en nous, cet matérialisme et les conséquences dans la métaphysique, on peut dire, c'est-à-dire les règles qui gèrent la physique. Donc, une expérience très, très importante dans le contexte, c'est l'expérience de Michelson-Morley qui a été réalisée en 1887, c'est-à-dire très longtemps. On peut dire au début de la révolution industrielle. Ils ont fait une expérience dont les résultats étaient interprétés des deux façons suivantes. Un, il n'y a aucun lien entre les entités existantes. Et s'il n'y a aucun lien, ça veut dire les cellules de notre corps aussi.
notre maison et nous, notre voiture et nous, nous avec notre conjointe ou avec notre amoureuse, la mère avec l'enfant. Hein, parce qu'ils ont composé des particules qui sont séparées autant qu'il n'y a pas de lien. Et comment tu veux créer un lien après? Deuxième, ils reconnaissent qu'il y a beaucoup d'espace entre les choses, mais cet espace est vide. Et là, ça nous donne un environnement, si on entend ça et on visualise ça avec notre imagination, ça donne un univers froid, complètement ennuyant, gris comme. Et ça ne nous donne pas de goût d'y vivre. Et ça donne un peu ça, comme si chaque sein d'une femme qui nourrit ses enfants ou pouvait nourrir ses enfants, c'est des bouteilles complètement indépendants, qui n'ont rien à faire de toute évidence avec la mère non plus. Donc, elle va véhiculer ou dispenser seulement des molécules de lait pour nourrir le corps qui est aussi complètement mécanique de l'enfant. Mais M. Planck et tout le reste des scientifiques ont découvert heureusement une chose et ils ont fait des expériences qui font preuve de ça, un phénomène qui s'appelle enchevêtrement. Ce mot enchevêtrement, ça veut dire que, en anglais, entanglement, ça veut dire que toutes les choses sont comme pas du tout séparées et l'espace entre les choses est pas du tout vide. Et l'expérience que je vais vous raconter maintenant, c'est une expérience qui prouve ça. Donc, ce que les scientifiques ont fait, ils ont pris 14 000, c'est peut-être autour de 30, peut-être 28 ou quelque chose de kilomètres de fibre optique. Ils l'ont mis une ligne avec ça et au milieu, ils l'ont coupé et à ce milieu-là, ils ont pris des particules de lumière jumeaux. Ils les ont séparées, donc pour être sûr que les deux particules sont identiques, ils ont envoyé chacune des deux particules dans chacun des deux tuyaux de fibre optique où chacun est 7000, ça veut dire 10 kilomètres de long. Et à ce moment, là, ils attendaient qu'ils arrivent à leur point de destination, qu'ils arrivaient plus ou moins au même moment, après, à la destination du A, c'est-à-dire le gauche, ils ont fait des traitements. Avec ça, ils ont fait des traitements, par exemple, ils ont augmenté le champ magnétique autour, ou ils ont augmenté ou diminué la fréquence ou la vitesse avec laquelle cette particule tourne autour d'elle-même. Alors, ils ont fait subir à cette particule de lumière un traitement. Donc, la particule a fait une expérience, il a réagi avec sa densité, augmente la vitesse du spin, de comment ça tourne, la révolution. Ça, c'est après, il réagit en augmentant sa vitesse dans laquelle il tourne autour de lui-même. Et on a remarqué que l'autre, qui est comme 20 km plus loin, il réagit de la même façon, même que le stimulus n'était pas présent. C'était juste parce qu'il restait lié, bien que
les deux particules étaient séparées de beaucoup de kilomètres, ils restaient liés par quand même, comme un enfant et ses parents. Ça, c'est une chose. Donc, on a là, on a trouvé que la séparation assumée par l'expérience du 1987 est fausse dans le sens, la première est faussée, éprouvée fausse, parce que on a vu qu'ils restent liés, bien qu'ils étaient séparés par force. La deuxième partie, on pense, alors là on a trouvé qu'ils restent toujours connectés, même séparés, comme les enfants et les parents, ou dans les guerres ou des catastrophes naturelles, où les amoureux sont séparés, ils restent quand même liés. La deuxième partie, dans notre école, je crois nous tous, moi aussi, quand j'étais à l'école, on nous a appris un modèle des atomes et du monde subatomique, c'est-à-dire plus petit que les atomes. La matière est une forme ou un aspect du c'est une forme de Bloch, on a dit le contraire. Et là, on a dit qu'un atome, c'est comme un nucléus, c'est-à-dire un noyau qui est composé de neutrons et protons, autour duquel tournent d'autres choses, que sont les électrons. Donc, c'est comme un système solaire. On a le Soleil comme chose centrale autour duquel tournent toutes les planètes et les astéroïdes et tout ça. Et ça, c'est la même chose dans toutes les galaxies, dans tous les univers et blablabla. Et ça corrobore tout à fait l'expérience de 1887, parce qu'entre les choses comme on voit sur ce modèle-là, il n'y a rien. Il y a juste espace vide. Mais dans la science du plasma et dans la recherche de la physique quantique, on a trouvé que la matière ou le plasma n'est pas un quatrième état de la matière. Vous connaissez les trois conventionnels états de matière, solide, liquide, gaz. Et après, au début, nous avons pensé que le plasma, c'est un quatrième état de la matière, ce qui n'est pas vrai. C'est plutôt que la matière est un aspect du plasma. Parce que si je peux, avec du plasma, des deux forces plasmiques que je peux créer, par exemple, avec une plaque de zinc et une plaque de cuivre nanoplaquée, je crée des champs et l'interaction des champs crée une sorte de matière qui est le gaz. Le gaz dans un état nanosolide. D'accord? Donc ça, quand je ne fais pas ou j'enlève les champs, la matière va collapser et il n'y a plus de gaz. Hein? Et ça veut dire au lieu que le plasma est un quatrième état de matière, c'est plus vrai de dire la matière est juste une forme ou un aspect du plasma. Parce que le plasma existe, ça vient du centre de l'univers et comme on a appris, dans un environnement particulier, ça collapse dans une forme de matière qui est propice à l'environnement donné. Deuxièmement, on a trouvé que les particules, et tout ça ce que je dis là, c'est pas vraiment tiré de la science du plasma, c'est tiré de la physique quantique qui est déjà, si on veut, un peu quand même conventionnelle.
Donc, elle, les sources non Keshefan, à l'extérieur de la fondation Keshefan, ils disent que les particules matérielles vivent dans une énergie plasmée, on dit magnétique et gravitationnelle, dont elles dépendent pour rester. Et ça veut dire, si les particules matérielles vivent en dépendance et dépendent d'un champ gravitationnel magnétique, champ Magraaf plasma, ça veut dire que c'est le plasma grâce, c'est grâce au plasma que la matière existe, les particules matérielles existent. Et ça veut dire, et là on s'approche, hein, lorsqu'on change le champ d'énergie dans lequel l'atome vit, on change l'atome. Et ça nous donne l'explication scientifique pour la transmutation. Ça donne une explication scientifique pourquoi, si j'ai de l'eau contaminée avec du césium qui émet une radiation nucléaire, j'y mets du mercure, j'y mets du CO2 et ça va rendre du mercure de l'or monoatomique. C'est une transmutation. Je fais de un une substance ou de un élément un autre. Ça, dans la physique conventionnelle newtonienne, c'est impossible et faudrait quelqu'un qui fasse ça, faudrait le brûler sur un bûcher. Voilà, pour que la science newtonienne reste intacte. Et là, si on veut, notre question, on n'a pas oublié, là, c'est pour comment les champs qui sont à l'intérieur de nous peuvent avoir une conséquence à l'extérieur, dans le monde 3D à l'extérieur. Et l'organe par lequel ça se fait, ce n'est pas le mental, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur. Parce que le cœur est le générateur, et là ils ont mesuré ça, ça on peut mesurer parce que le cœur est quand même, a un reflet matériel, c'est le cœur physique qui bat dans notre poitrine. Ce cœur est le générateur des champs bioélectriques et magnétiques les plus puissants de notre corps, même 5 fois plus puissants que les champs émis par le cerveau. Et ça, on peut mesurer avec très conventionnellement avec un EKG, électrocardiogramme, qui mesure l'amplitude et la fréquence des qu'est-ce qui est émis du cœur et le cerveau et EEG, électroencéphalogramme, qui est la même chose pour le cerveau. Et là, on voit que les amplitudes, c'est-à-dire les forces, les fréquences, est très, très, très différent entre les deux. Donc, si on n'oublie pas le précédent, qui dit ça, que lorsqu'on vous changez en bleu, là, si vous changez le champ d'énergie dans lequel vit l'atome, vous allez changer l'atome. Et c'est le cœur qui peut le faire. Le cœur, c'est l'âme, le siège de l'âme de la forme physique. Et l'âme de la forme physique est composée de quoi? Principalement des émotions, voilà. C'est nos émotions qui changent, qui peuvent changer l'environnement magnétique dans lequel vivent les atomes et par la suite, ça va changer les atomes. Et parce que c'est nos émotions, c'est très dépendant de nos croyances. Donc, si je suis un homme très décaté, très cartésien, très sceptique français et adulte, si je ne crois pas ça, je ne peux pas le faire.
Oh oui, j'ai oublié de dire, le champ que le cœur émet, il a un diamètre de 2 à 3 mètres. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'effet de notre l'âme, de la physicalité, de notre mental émotionnel, c'est pas un acte de magie. Que magiquement, on influence et on peut réveiller les morts et on peut guérir des maladies et on peut voyager sans vaisseau et on peut, quoi d'autre, créer des matériaux comme on voudrait ou de l'or ou de l'argent. Non. Ça fait que ce qui sont pour nous des émotions, hein, on met le mot émotion, ce qui se passe dans notre cœur. On met le mot émotion. L'univers ne reconnaît pas nos mots. Hein? On se rappelle de la dernière science. L'univers comprend les champs magnétiques. Donc, pour l'univers, ce que nous appelons émotion, pour l'univers, c'est des champs magnétiques parce que le cœur émet, ça bat physiquement et c'est le siège de notre âme, de la forme physique. Et qu'est-ce que ça émet? Une émotion. Et une émotion, sur le plan matériel, si on veut, prend la forme d'un champ magnétique. Voilà. Et là, ça peut changer un atome dans un autre. Et ça, je trouve génial parce que ça devrait fitter complètement dans ce que M. Kesh essaye de nous apporter depuis très, très longtemps. Parce qu'entre-temps, il nous rappelle toujours, comme je disais avant, par rapport à la limite universelle, il dit « elle n'est pas limitée, elle, en soi ». La seule limitation qu'on apporte, c'est notre pensée et nos émotions. Si nous, on n'a pas confiance qu'on est le Créateur et on a la responsabilité du Créateur et on vit dans une éthique du principe universel, nous sommes ici pour servir. Si on ne se permet pas ça, on ne va pas l'avoir. On va toujours continuer à suivre quelconque président, quelconque pop, quelconque mullah ou rabbi pour nous dire comment être très très bon et avoir gagné une place dans le ciel. Plus tard. Hein? Mais si on comprend ça, on peut maintenant comprendre ça scientifiquement. On sait que le corps émet des champs magnétiques et on sait de la physique quantique qu'un changement de champ magnétique change un atome. Donc ça veut dire que nous pouvons le faire. Donc on peut faire des exercices avec ça comme on a raconté, on a essayé d'expliquer la semaine passée comment on fait pour matérialiser des choses ou voyager dans l'espace. Il faut être comme un enfant et faire complètement confiance que l'univers ou Dieu où l'âme universelle, l'âme du Créateur va exaucer notre vœu aussi longtemps qu'il est à l'intérieur de l'éthos du principe universel qui est derrière tout ça. Si je veux créer la matière, voyager ou quoi que ce soit, et je peux le formuler dans un sens à l'intérieur du principe universel, je peux marcher ça. Si aussi je peux me détendre autant que ma confiance soit illimitée. Voilà.
Ben, je suis très content que j'ai trouvé par hasard ce petit vidéo de YouTube. D'ailleurs, le lien, si vous voulez écouter l'original, il est marqué dans la fine pointe en forme PDF. Pour le dessert, je vous ai annoncé que je veux parler de Jacques Café avec son groupe de scientifiques qui ont fait une cabine qu'on voit sur l'image. C'est une cabine qui est protégée, qui est tout à fait faite en matériaux naturels et elle est blindée vers l'extérieur contre les ondes EMF. Et parce qu'ils ont trouvé leur façon d'analyser et très peu être perturbé par les champs comme ça. Leur façon de faire, c'est quoi? Dans l'image à droite, vous voyez un grand microscope. C'est un microscope à fond noir. On l'utilise beaucoup avec pour l'analyser le sang vivant. Là, on peut voir beaucoup plus et détecter beaucoup plus tôt des maladies en venant qu'avec un microscope conventionnel. Et qu'est-ce qu'ils analysent? Des microgouttelettes. Ils ont commencé à analyser la technologie. Cette technologie n'est pas inventée par eux, mais elle était utilisée la première fois en Italie où on voulait déterminer la qualité des semences de blé. Donc, ils ont coupé des super fines lamelles de graines de blé. Ils ont regardé ils ont mis dans une solution d'eau et ils ont regardé après sous le microscope ce qu'ils voyaient, les structures qu'ils voyaient après que cette eau a évaporisé. C'est un peu, vous connaissez Emoto par exemple en Japon, lui il ne fait pas évaporiser mais il congèle les microgouttelettes et tout dépendamment à quelle énergie l'eau était assujettie, on voit des formations de cristaux différents. Donc, si c'est la musique comme Mozart ou une très belle musique où on dit à l'eau « je t'aime » ou on donne un souhait à l'eau, comme avant pour la terre-mère au début de notre programme aujourd'hui, ça va former des cristaux qui sont très, très, très beaux et réguliers. Tandis que si on dit « I hate you », « je déteste » ou si on néglige ou si on joue la musique heavy metal, l'eau ne va pas former aucun cristal. Ça va devenir des formes très moches. Donc, dans cette, comment ils font? Ils prennent de l'eau. On va voir tout de suite une série d'images où ils ont analysé quatre types d'eau différents. Et après, les quatre GANs, différents, trois GANs et un nœud de contrôle. Comment ils font? Ils prennent une microgouttelette, c'est 0,03 millilitres. Ils mettent ça sur une plaque de verre et laissent évaporer l'eau dans un milieu qui ne perturbe pas ça. Parce que si c'est perturbant, ça peut pas, quand ça évaporise, la structure ne peut pas se former tranquillement. Vous allez voir. Donc, les premiers eaux, c'était l'eau de Fatima, l'eau de Titicaca, l'eau qu'on bénit par Amma, c'est une femme éliminée de l'Inde, et l'eau Elian en bouteille, qui a d'ailleurs une assez bonne réputation. L'eau Evian, on voit comme quelques petits points, mais on voit rien de structure.
lecture comparé à les trois autres, il n'y a comme rien. Les autres sont des formes comme des... ça me rappelle un peu les fleurs de glace qui se forment sur les vitres en hiver. Quand l'eau condense sur la vitre, quand c'est très froid dehors, vous avez juste une simple vitre, vous expirez devant la vitre pour faire condenser votre l'eau dans l'humidité de votre de respiration, et ça va condenser dans des images comme ça, ou semblables. Le plus joli, en fait, c'est, on voit aussi l'Atitikaka. Fatima, je ne sais pas exactement si c'est une personne ou un lieu. Si c'est un lieu comme l'autre, par exemple, ça veut dire que c'est pas nécessairement le lieu en soi, mais ça peut être l'âme de toutes les gens croyants qui sont là et qui donnent de leur âme à l'endroit. Titikakaze, il est très beau et très pur, et Ama, on voit comme, si vous regardez un peu en bas, sous l'horizon, comme à 8 heures, entre 8 et 9 heures, c'est un rond avec, c'est comme un médaillon, c'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a un plus de structuration si l'eau contient l'énergie de quelqu'un illuminé, ou c'est juste un espace, une eau d'un espace naturel. Quand on regarde après les quatre gans, on a l'impression, en fait c'est trois gans, on a encore une fois l'eau témoin, où on voit une ligne d'étoiles, un peu comme dans l'eau auparavant, l'eau de Evian. Et on voit les trois gans CUO, CH3 et ZNO. Et ils ont toutes les gouttelettes ont fait comme une forme, comme une cloche. Et cette dimension comme 3D, elle n'était pas tout à fait aussi visible dans les autres images. Et effectivement, en plus de ça, ça les réunit comme toutes les gans ont cette forme de cloche, mais de l'autre côté, chaque gans a une autre forme dans les détails, ça a forme d'autres structures. Et là, ça serait intéressant d'avoir des parties plus agrandies pour voir la différence plus clairement entre les trois gans là. Et aussi, j'aimerais, en fait, un souhait, voir le CO2 aussi. Hein? Donc ça, est-ce que ça, c'est pas une machine? C'est un peu dans la même direction que quand je l'ai, l'eau plasmique, pour voir les lignes de force du plasma, les rayons magnétiques, si on veut. C'est un peu comme ça. Et ça serait aussi intéressant si les scientifiques au Japon qui continuent la recherche de Dr. Emoto pourraient faire la même chose avec les gans pour les congeler, pour voir quel genre de cristaux ils forment, et après, évidemment, de comparer les structures par évaporation aux structures par congélation pour voir est-ce que c'est pareil, c'est très différent, et si c'est différent, qu'est-ce que ça nous fait penser ou sentir. Voilà, mes amis. Donc, on est arrivé à la fin. Maintenant, je vous invite
à poser vos questions ou et vos commentaires à les autres de l'équipe. Merci beaucoup de votre attention. Je vous ai senti, parce que vous savez, hein, il n'y a pas de temps. Parce qu'il y a sur le niveau de l'âme, il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas d'espace non plus. Donc, vous étiez déjà là autour de moi quand j'ai parlé ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je sais pas quelle heure il est, peut-être. J'ai commencé un peu après 19h, Québec time. C'est-à-dire chez vous, ça fait 1h le matin, lundi déjà. Donc peut-être vous avez rêvé. Non, oui, vous avez rêvé. Est-ce que vous avez rêvé quelque chose dans la nuit dimanche à lundi? Je vous laisse sur ça. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Au prochain mercredi. Gracias. Pasiba. Merci. Thank you. Dankeschön. Shukran. Obrigado. Bonne soirée, merci. Merci, Aviram. Merci, Joël. Merci à tous. Bonsoir à tous et à bientôt. Allez, bonsoir. Bonsoir. À mercredi prochain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, finalement, Caroline n'est pas venue. Bonsoir tout le monde. Et non, Carolina n'est pas venue, non. Ouais, c'est tu lui grave. Avais envoyé l'invitation, oui. Oui, oui. Elle devait être occupée, bon. Oui, elle est occupée, oui, je pense. On la verra la prochaine fois. C'est pas bien grave. Oui. Bonne soirée. Allez, bye bye, bonne soirée. À bientôt, bye. Allez, ciao. Au revoir.